J'aurais voulu être chanteur, ça aurait pu très bien être le titre de ce disque. On fait un grand voyage de la musique de Schubert jusqu'à la musique de Gershwin. On y retrouve des pièces incontournables comme la Truite de Schubert, bien sûr, ou encore le Summertime de Gershwin, le Gretchen, la Marguerite aux Rouets, toujours de Schubert. On traverse aussi les époques par des pièces un peu moins connues, moins célèbres, comme les merveilleuses mélodies de Rachmaninov transcrites dans ce disque par Erle Wilde. Erle Wilde, j'ai trouvé qu'il méritait une place à côté de Liszt comme transcripteur, parce qu'il a su à la fois capter les sonorités et les émotions dans la musique d'origine, qui était la musique vocale de chacune des pièces. La chose la plus importante à faire lorsque je joue ces pièces, c'est de vraiment donner l'impression que le piano est à la fois l'instrument chanteur, à la fois un instrument accompagnateur et à la fois surtout un véhicule d'émotion. J'ai une extraordinaire admiration en fait pour ces compositeurs qui ont su s'approprier des textes littéraires d'une grande importance, d'une grande gravité parfois avec des métaphores extraordinaires, tous ces hommages à la nature qu'il y a, par exemple, dans les poèmes de Goethe, que Schubert a tellement repris dans sa musique. Je trouve que ça a été, non pas forcément de rendre des lettres de noblesse à ces textes, puisqu'ils étaient déjà d'une qualité exceptionnelle, mais c'était vraiment faire en sorte que la musique épouse les mots de la meilleure façon possible. C'est vraiment un disque aux multiples facettes.